Sound is good. Also ich habe entschieden, meine Militärdienst zu machen nach dem Gimmi. Und ich denke, das war eine wichtige Entscheidung, wirklich mich auf Fechten zu konzentrieren, weil das war dann auch eine kleine Pause in meinem Studium. Bien sûr, en tant que sportif, je pense que c'est vraiment une solution très bien pour transiter de la phase de relève à la phase professionnelle, à l'élite. Je pense que c'est vraiment un super mode de transition, donc je le recommande. Pour Swiss Fencing, c'est une véritable opportunité de pouvoir faire partie du projet de l'armée sportive pour garantir la continuation du projet sportif de nos athlètes. C'est sûr que c'est un grand avantage parce que ça nous permet de débloquer des fonds pour pouvoir pratiquer notre sport. C'est un soutien important et puis c'est aussi un premier bain dans une expérience professionnelle en tant que sportif, donc c'est intéressant, on a beaucoup d'input, que ce soit avec des entraîneurs d'autres sports, avec d'autres athlètes et avec différentes formations que l'école de recrues propose. À un âge assez... tu vois encore. Ja, wenn Sie wirklich fechten wollen, ist es eine gute Möglichkeit. Also ich denke, viele Frauen haben viele Vorurteile über Militär, weil das ist eher etwas für Männer. Aber wenn du wirklich Sport machen willst, ist es eine sehr gute Möglichkeit, vielleicht sich auf den Sport zu konzentrieren und trotzdem Geld damit zu verdienen. Und ja, ich kann das wirklich empfehlen. Das war auch En tant que sportif, bien sûr, parce que c'est un très bon statut qui est intéressant et puis qui fait aussi du sens. Représenter son pays à travers l'armée, c'est aussi quelque chose qui fait du sens, je pense, en tant qu'athlète. Donc oui, bien sûr, aussi longtemps que je pourrais, ça me plairait de continuer à représenter la Suisse à travers l'armée. Ja, also lustige Momente sind wahrscheinlich nicht die intelligenteste, aber ja, wir waren mit vielen Männern und manchmal sind so viele Männer zusammen für so lange Zeit nicht das Beste. Und so, es gab schon dumme Momente, wo ein Typ sein Bett raus von der Raum weggeworfen hatte. Und ja, dann hatten wir einfach Strafen, weil ja, das ist auch Militär. Oui, dans ma vie, ça m'a influencé parce que j'ai appris à connaître beaucoup de gens, des gens avec qui je suis en contact encore, des athlètes de différents horizons qui m'ont appris autant par leur personnalité que par leurs entraînements. Et puis aussi, ça m'a permis tout simplement de me décider est-ce que je voulais vraiment continuer dans le sport de haut niveau ou est-ce que je voulais faire autre chose. Et donc oui, ça m'a beaucoup apporté pour ma vie aussi. Okay, it's okay. Take your time. Yes. I'm fed it in three times. I'm great. Okay. Basta.